stop. What's up tout le monde, c'est Elite, j'espère que vous allez bien car pour ma part ça va plutôt bien les amis. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous les aimez. Vous me les dites sur les réseaux sociaux, vous en vouliez. Et c'est donc pour ça qu'aujourd'hui on va customiser tous ensemble la nouvelle Pegasi Osiris à 1 950 000 $ pour la rendre encore plus classe qu'au départ. Juste avant de passer à la customisation, je vais vous inviter à lâcher un gros pouce bleu pour m'aider à atteindre l'objectif des 50 likes. Ça vous prend 2 secondes, ça vous prend pas de temps et ça m'aide énormément dans ma progression sur YouTube. Je vais également vous inviter à aller voir ma dernière vidéo qui est le test de rapidité de cette même voiture fraîchement sortie dans le nouveau DLC de hier et je peux vous garantir qu'elle déchire. Concernant les caractéristiques techniques du véhicule, on va pas s'y attarder dans cette vidéo, on va plutôt s'intéresser à l'aspect esthétique du véhicule. Pour renforcer l'effet de puissance, on va rajouter un aileron GT, un bas de caisse de course numéro 2, des vitres fumées claires ainsi que des pneus de série S-Racer accompagnés d'une petite fumée de pneus bleus. Si vous avez besoin, je suis certainement trop rapide pour vous, faites pouce sur la vidéo, ce sera plus simple pour vous. Et pour le principal, le best, le meilleur les amis, c'est la couleur. Donc en couleur principale, je vais vous conseiller de mettre un bleu foncé métallisé. Et en couleur secondaire, je vous conseille de mettre soit un jaune simple, soit un jaune racing, toujours dans le métallisé. Faites bien attention, même si moi je vous avoue que j'ai une préférence pour le jaune racing, que je trouve largement plus classe. Après, concernant cette couleur secondaire, c'est vraiment à vous de voir. Le véhicule est désormais totalement customisé, vous pouvez donc voir que par rapport au rose de départ que j'avais au tout début de la vidéo, c'est vraiment classe, ça donne une image de course, ce qui me plaît plutôt bien pour ce véhicule. Voilà les amis, moi je vous laisse sur ces images, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu, de me donner votre avis en commentaire et de me dire si oui ou non cette couleur vous a plu, si vous en voulez d'autres. Et pour ceux qui auraient de nouvelles couleurs à me filer pour de prochaines vidéos, je vous invite à me tweeter ou à m'envoyer un message sur ma page Facebook. Et bien évidemment, pour suivre la suite de mon aventure, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Ciao les gamers.